former la vraie nature, l'identité de la femme. Today, when we look in this society, we see that the society is actually changing the true identity of a woman. Surtout pour nous en tant que chrétiens, especially for us Christians, nous devons aller vivre notre vie en tant que femme par rapport à ce que la Bible nous dit. We need to live our life not according to the world, but according to the Bible. La société actuelle a établi des instructions. But the society or our society today actually established instructions. Ils sont contraires à la volonté de Dieu. That are against the will of God. Et qui est en train de sortir la femme selon la volonté de Dieu. These instructions are bringing the woman outside of the will of God. La Bible dit que l'homme est la tête. The Bible says that the man is the head and the woman comes after. Amen. Et la société aujourd'hui. But the society today says. D'abord la femme. It's saying that first the woman. Et nous voyons que c'est là. Ça sort déjà de la volonté de Dieu. And from there you can clearly see that that's not in the word of God. Et ça déforme déjà la femme. And that's already changing the woman. Il est en dehors de la volonté She's de Dieu. Outside of the will of God. Le gouvernement aujourd'hui permet aux femmes de se marier, les lesbiennes. Le gouvernement today even is allowing women to get married with each other. Aujourd'hui, lesbians. La femme peut s'élever pour divorcer quand elle veut. And today women, some women allow themselves to stand up and divorce anytime they want. Ils sont libres d'aller de mariage en mariage. And women, they feel free to go marriage after marriage. En dehors de la volonté de That's Dieu. Not in the will of God. Et dans tout ça, il y a trop de choses. And in all that, there's so many other à things. À cause de cela. Because of that. On n'est pas dans la volonté. We are not in the will of God. On ne se base pas la parole de We Dieu. We are not basing ourselves in the word of God. Et avant d'aller plus loin, je veux définir la femme. Before I go any far, let me define a woman. What's a woman? Je vais donner un peu l'idée puisque tout le monde, quand on parle d'une femme, tout le monde connaît ce qu'elle est. I'm just going to give you an idea because really everybody understands when we talk about a woman. Une femme, c'est quoi? C'est qui? Who is a woman? La femme, c'est un être vivant. A woman is just a human being. C'est un adulte. It's an adult. Et c'est une femelle. It's a female. Quand on parle d'une femme, on ne voit pas un enfant comme c'est. When we're talking about a woman, we're not looking at a child. Et selon la parole de Dieu. And according to the word of God. Tel que la Bible décrit la femme, l'origine de la femme. According to the origin that the Bible is describing the woman. On appelle femme. The woman is called woman parce que because she was taken from the rib of a man. C'est comme ça on l'appelle femme. That's why she's called woman. Et en créant la femme, when God created woman, le Seigneur dans sa pensée, the Lord in his thoughts, il avait des objectifs. He had objectives. Pour lequel il a fait que la femme soit créée. God had objective for which he created woman. Et là, en créant la femme, l'objectif c'était le Seigneur a donné la mission à la femme dans la vie de l'homme. Basically, when God created the woman, God actually gave her missions to fulfill in the life of a man. Il y en a beaucoup. There's so many missions. Mais aujourd'hui, je vais mentionner deux. But today, I just want to mention two things. La première mission, the first mission, c'est de rendre l'homme heureux. Is to make a man happy. Et la deuxième mission, the second mission, c'est d'être l'aide. Is to be a helper. Si tu es à côté de ton mari, if you are next to your husband, regarde ton mari, look at your husband, right down in the eyes, et dis-lui, and look at your, oh, come on, woman, look at your husband, le Seigneur m'a envoyé en mission dans ta vie. Tell your husband, say, the Lord send me in mission. In your life, de t'aider, to help you, et puis de faire ta joie, and to make you happy. Maintenant, pose-toi la question dans ton cœur. Now, woman, ask yourself now. Est-ce que réellement tu as accompli ce que la Bible, c'est que les deux points que je veux. Ask yourself, are you really fulfilling these two missions that the Lord is giving you? Est-ce que vraiment tu es une aide pour ton mari? Are you really a helper for your husband? Est-ce que vraiment tu fais la joie de ton mari? Are you really making your husband Pose-toi happy? La question toi-même. Ask yourself that question. Et réponds dans ton cœur toi-même. And then answer that question yourself. Comme je l'ai dit aujourd'hui. Like
cassée de tenir. La société en train de déformer la femme. The society is actually de la femme, c'est the society is actually changing the true identity of a woman. Et nous en tant que le servant de Dieu, and as a servant of God, les messagers de Seigneur, messengers of God, on peut pas se taire. We cannot remain quiet. Regardez surtout les enfants de Dieu. And especially looking at women, children of God. Être séduit par les païens. To be seduced by pagans. Par les comportements de gens. By the behaviors of people of the world. Et à travers la parole de Dieu. And through the word of God. Nous levons. We got to stand up. Pour parler de la parole and de to Dieu. And to speak on the behalf of God. Pour appeler à la femme. And to remind the woman. Les objectifs. To remind women of their objectives. Que la femme n'est pas de n'importe qui. To remind them that the woman is not any kind of person. Et n'a pas été créée par hasard. She was not just created by Hazard. Elle a une mission spéciale. She has a mission, a special mission in the life of a man. Et moi personnellement. Me personally. C'est pas la Bible, c'est pas quelqu'un qui m'a dit. It's not the Bible, it's not even somebody that taught me. Moi je l'ai dit toujours, le Seigneur aime plus une femme qu'un homme. Me, I always say that God loves a woman more than a man. You know why I say that God loves a woman more than a man? I don't know about that, but let's see here. Lors de la création. You know why? Because I say during creation. Le Seigneur a pris les sables. Listen, when God created a man, he took dust. Il a soufflé pour créer l'homme. He blew so that man can be created. Mais vous pouvez vous imaginer la suite. Qu'est-ce qu'il a créé? Il a fait pour créer la femme. Now imagine how, what did God do to create a woman? Il pouvait aussi prendre le God sable. Also could have taken the dust. Mais il a préféré d'abord endormir l'homme. But he preferred to make the man sleep. Prendre la femme de la poussière. He didn't want to take the woman from dust. Il n'a pas voulu tirer la femme de l'ombre de l'ombre. He didn't want to take the woman from the hair of the man. Il n'a pas voulu prendre la femme de cheveux de l'ombre. He didn't want to take her from the hair of the man. Il a choisi une place là pour lui. He did not choose a place. Bien propre, bien place. Bien protégé, bien protégé. Bien vraiment entretenu. A place very well maintained. Qui ne peut pas toucher. That nobody, not anybody can touch. Un endroit bien protégé. A place that was very protected. Il est de là. And the Lord took the woman from there. Seulement ça. And not only that. Il a pris vraiment le temps. The Lord took his time. Yeah. He took his time. La Bible dit qu'il a dormi la femme. The Bible said that he made the man sleep. Pendant plusieurs heures. For many hours. Mais pour l'homme c'était seulement comme une nuit. For many was just like he created him. Vous savez quand tu donnes de la considération à quelque chose. You know when you are giving consideration to something. Plus le temps you will put your time in what you like. I should have not translated. Pour cela, that's why. Le Seigneur nous avait tellement aimé, nous a plus donné la considération comme God, je l'ai dit. God loves the woman so much and gave us so much consideration. Il n'a pas voulu que nous puissions nous comporter n'importe comment. So the same way, God did not want a woman to just behave anyhow. Il n'a pas voulu que nous puissions nous conduire n'importe comment. God didn't want a woman to just behave anyhow. Et il nous a donné ses instructions. God now gave a woman some instructions. Qui est sa parole? The word of God. Pour que nous puissions entretenir. So that you can take care of the woman que nous sommes. That we are. That c'est, you are. C'est comme un serviteur de Dieu disait. It's like a man of God said one time. Lorsque tu t'achètes une Mercedes. When you are buying a Mercedes-Benz. En te donnant les instructions. They give you the instructions. Ça vient avec le truc, comment on appelle c'est manual. Les manuels see, avec. When you buy a new car, it comes with a manual. Avec toutes les instructions and dedans. And the manual has all the instructions on inside. On te dit qu'après 2 ans, il faut l'amener pour and faire ça. They tell you after 2 years, you have to bring après it to this après 6 mois, il faut faire les tune-up. After 6 months, you do tune-up. Après 1 mois, il faut faire ça. One month, you do all change. Et lorsque tu suis ces instructions, if you follow these instructions, tu ne vas pas vraiment voir le problème. You will not have problems with your car. Mais lorsque tu ne suis pas les instructions, but if you don't follow the instructions, tu seras toujours you will always, en trouble et tu vas même
aime à une certaine voiture. Peut-être que tout le monde aime avoir. The sin is that everybody likes to have. Va devenir comme une fardeau pour toi. It will become like a burden for you. You will want to get rid of it. Pareil aussi pour nous le It is the same way for woman. Nous a aimé. God loves you, woman. Nous a créé très bien. He created you beautiful. Et il veut que nous puissions vivre. And he wants you, woman, selon sa volonté. To live according to his will. Pas sortir dans sa volonté. You cannot come out of his will. Donner sa parole. He gave you his word. He put everything tout here. Que tu as besoin, everything you need pour vivre une vie heureuse, to live a life happy. Je ne sais pas ce que tu vas dire. I don't know what you're going to say. Que tu es en train de traverser. That whatever you are going through, bien que tu es en train d'expérimenter, whatever you are experiencing, tu n'as pas trouvé dans la parole.